Mesdames et messieurs, chers projecteurs, bonjour, bonsoir. Faites du bien et le bien vous fera du bien. Faites du bien aux personnes, aux gens qui vous entourent, sans rien attendre en retour. Faites du bien aux personnes qui ont besoin de vous, si vous avez la possibilité. Un jour, Dieu vous ouvrira les portes. Votre récompense pourra venir des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est ça, la grâce. L'humilité, le travail, la confiance en soi. Voilà l'un des atouts de Franco. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter ce grand homme, appelé Jack, reconnu par beaucoup de photographes. Son nom c'est Monsieur Fouguet, Jackie, si j'ai bonne mémoire. C'est un photographe professionnel, un photographe sportif. Il est de la diaspora, comme j'ai bien dit en titre. Voici ce que nous attendons de la diaspora. J'ai le plaisir de vous présenter tout ceci. Pour ceux qui me connaissent depuis, voilà mon matériel que j'ai l'habitude de vous présenter. Cette caméra. Voilà mon petit appareil photo que j'ai l'habitude de vous présenter. Monsieur Fouguet, qui est présentement au Cameroun, m'a contacté il y a de cela 3 ans. Il m'a dit, Franco, à travers tes vidéos, je vois en toi un jeune vrai. Je vois en toi un jeune qui veut réussir par le travail. Quand je serai au Cameroun, je vais te voir. Il y a de cela 3 ans, je lui dis. Après, c'est perdu de vue, de contact. Bah, comme beaucoup m'appellent aussi comme ça, et après, basta. Tout récemment, il m'écrit. Il me dit, Franco, je suis en Côte d'Ivoire, je veux te voir. Tu es où? Malheureusement, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Il a dit, grand frère, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'argent. Je reste au Cameroun. Il me dit, ok, quand je finis la canne, je serai au Cameroun. Et on va se voir, Franco. Hier, on était ensemble. J'ai vraiment le plaisir de vous présenter cet appareil photo. Regardez vous-même. Regardez ce qu'on appelle appareil photo professionnel. Et comme vous pouvez voir en image, là, ça c'est l'appareil que Jack était en train de filmer en Côte d'Ivoire. Tous les événements de la CAN. Voilà son appareil personnel qu'il m'a remis hier. Il m'a dit, Franco, je vois en toi un jeune qui valorise son pays et qui a de l'amour pour son métier, la photographie. Mais tu n'as pas le matériel adéquat pour ce bon métier que tu as choisi. J'ai pris sous moi, Franco, de te donner tout mon matériel que je suis venu couvrir l'événement de la CAN. Parce que je crois en toi, je sais que tu es un travailleur et je sais que tu vas faire quelque chose de bien avec ces appareils. Voilà. Comme je vous ai dit, voilà mon ancien appareil. Quand vous voyez les deux, vous pouvez voir que c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas pu dire que mon appareil était aussi vraiment bizarre, mais bon. Avant de continuer, je vais vous montrer comment ceci fonctionne. Regardez un peu. Pour voir un appareil professionnel, regardez en une seconde le nombre de photos que ça peut faire. Ça, c'est un appareil. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rater une image. Jacques, je suis là. Ce sont des images que je suis en train de reproduire comme ça. Écoutez. Ce sont les déclenchements. C'est ce qu'on appelle l'appareil professionnel. Il m'a dit, je t'ai vu avec un mini drone. Voilà, je vous présente. Vous connaissez déjà mon drone. Voilà ça. Vous savez ça que je me bats. Mais il m'a dit, Franco, le drone n'est plus à ton niveau. Voilà ce qu'il m'a apporté. Comme moi, ceux qui travaillent avec en Côte d'Ivoire. Voilà le drone qui m'a remis. Les professionnels, vous connaissez. Voilà tous ces accessoires. Voilà le drone. Voilà le drone qui m'a remis. Pour le boulot. Alors, je vous présente ça, tout ceci pourquoi? Parce que je voulais passer un message également à mes jeunes frères. Soyez soumis, soyez humble. Tout ce que j'ai là, c'est le fruit de l'humilité. Il a dit, Franco, tu es toujours petit. Depuis le premier jour que je te suis, que je te connais, tu es resté égal à toi-même. Pourquoi ne pas t'élever, Franco? Je te fais confiance et je sais que tu vas faire des choses bien avec ce que je te donne. Ce n'est pas gratuit, mais c'est presque gratuit. Il m'a dit, tu vas te rendre. Bon, malheureusement, je continue. La caméra. Bon, il m'a dit qu'il y a une dame qui a signé sur sa caméra en Côte d'Ivoire. Et voilà, il va m'envoyer une caméra vraiment qui respecte la norme.
beaucoup ont l'habitude de m'insulter à ma caméra, mais je rends des très bons services avec ceci, avec tout ceci, hein, rassurez-vous. Mais maintenant, je vais rendre encore ce qui est hyper professionnel. Alors, il me dit, tu vas te rendre dans un magasin qui vend tous ces appareils d'origine et neuf, puisque tout est neuf. Tu vas demander le prix parce que je ne vais pas te donner le prix. Si je te donne le prix, tu ne vas pas croire. Tu vas te rendre dans un magasin qui vend tout ça. Tu prends les caractéristiques. Parce qu'il avait une marque 2. Il a dit que c'est dépassé. Donc je crois que c'est ici. C'est une marque 4. Canon Mark 4. Tu vois bien. Mark 4 ici. Oui. Donc il m'a dit, tu vas te rendre dans un magasin. Tu vas prendre le prix. Tu vas demander le prix de ça. Et qu'on va te donner le prix, Franco. Tu vas me donner la moitié des prix qu'on va te donner. Ainsi que le drone. Ainsi que la caméra qui va envoyer. Donc tu vas et tu prends ton temps, tu n'as aucune pression. Tu es petit frère, je te fais confiance et je sais que tu vas réussir. Et tu es sur le bon chemin. Va seulement. Tu prends les prix. Je te donne même un an, même si c'est deux ans, tu veux. Même si le jour où tu as 100 000, tu as 200 000, tu m'envoies, petit. Voilà ce qu'on appelle prendre quelqu'un et l'élever. Le matériel, si, pour les connaisseurs, pour les professionnels, ils savent combien ça. Ça veut dire que si je pars dans un magasin mais que le matériel, l'appareil photo s'il coûte peut-être 2 millions ou 3 millions, moi je vais lui donner, si c'est 3 millions, c'est 1 500 000 que je vais lui donner. 1 500 000 que je vais lui donner. Ouais, un peu. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, grand frère, le mot merci ne suffit pas. Comme j'ai toujours dit, c'est Dieu qui va faire ton palat. Parce que merci, je ne sais pas ce que je peux faire, je peux dire, pour reconnaître ce que tu as fait pour ton jeune petit Franco. Le message que je voulais laisser à mes jeunes frères, c'est que, frère, croyez en vous. Beaucoup viendront dire, le petit photographe hier, qui était dans la rue, qui n'avait même pas de studio, après qu'il y a eu un petit mini studio à soi, après il a ouvert un studio à Rousseau. Ce qui l'a aussi marqué, ce qui a marqué mon grand frère là, il me dit, à ton jeune âge, tu as un laboratoire photo. Ce que tes grands frères ont fait dans la photo depuis 20-30 ans, sorti dans la photographie sans avoir un laboratoire photo. Le peu de temps que tu as mis dans la photographie, tu as un laboratoire photo. Ça, c'est de l'amour pour le métier. Donc, il a choisi, encourager les jeunes petits qui ont décidé de valoriser le pays. Ça veut dire quoi? Rester au pays, développer, créer de l'emploi pour les jeunes frères au pays. Parce qu'avec la raison de tout ceci, c'est vraiment moi, il faut aussi aller m'installer au Canada. Ou bien aux États-Unis ou ailleurs comme les autres. Parce que beaucoup là, dès qu'ils ont plus l'opportunité, ils partent. Je ne reste pas au Cameroun parce que, pas parce que je n'ai pas aussi les opportunités pour quitter, non. Je ne vais pas parler de l'amour parce que tout le monde a de l'amour pour le pays. Mais je vous dis, c'est un choix que j'ai fait. Et pour l'instant, jusqu'ici, je me sens encore en sécurité dans mon pays. Je parle en toute sincérité. Je me sens encore en sécurité. C'est le jour où je vais me sentir en insécurité, que je vais sentir vraiment que je n'ai plus de place au pays. Oui, que moi, si à jamais on me dérange. Mais pour l'instant, tout va encore bien, mes activités fonctionnent encore bien. On ne me dérange pas. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à tout le monde. Donc voilà, chers jeunes, soyez humbles, soyez battants, soyez travailleurs. Parce qu'il y a les gens derrière qui vous admirent, qui vous regardent. Quand vous travaillez, quand vous bossez dur, il y a les gens derrière qui vous admirent. Ceux qui ont donné leur choule, ceux qui ont pacté avec le diable, ceux qui ont pris des raccourcis, comme on dit souvent, viendront vous dire non, que Franco ne vous trompe pas. Rien n'est pour rien. Ah, là où il est là, il était rien hier. Il est aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas le fruit du hasard. Il a fait ci. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Faites-vous confiance. Que personne ne vous trompe. Ne cédez pas à la facilité. Ne cédez pas à la manipulation. Quelqu'un te propose ceci pour devenir, tu dis jamais. Jamais, je crois en moi. Tu es déterminé. Tu vas arriver par la bonne voie. C'est dur, hein? Ce n'est pas facile comme je parle là. C'est très dur. Parce que quand tu prends la bonne voie, il y a tellement des obstacles. Mais quand tu réussis, tu es fier de toi-même. Et tu fais la fierté de beaucoup de personnes. Faites-vous confiance, chers jeunes. Ce n'est pas seulement hors du pays qu'on peut réussir. Même étant au pays, si tu te donnes, si tu as vraiment la gnaque, si tu es un vrai bosseur, et que tu fais des économies, tu n'es pas tout le temps en train d'aller faire des farotages dans les boîtes de nuit pour qu'on t'appelle Monsieur X ou Tonton Tel. Il faut croire en tes rêves. Tu te mets au travail. Dieu va faire le reste. Le message que je vais passer aujourd'hui. Voilà, j'ai le nouveau matériel. Vous-même, vous voyez le matériel qui est venu. Il y a une caméra qui arrive. Ça veut dire que
Ceux qui vont contacter désormais le studio Vision Pro pour leur travaux là-bas. Maintenant, le l'ancien matériel reste. On ne vend pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler au niveau de tout le monde. Ceux qui veulent le super là, on prend le matériel super. Ceux qui veulent le moyen, on prend l'ancien matos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes spécialisés dans l'événementiel. Mariage, baptême, anniversaire, conférence, tout. Séminaire. Même bientôt les divorces, parce que même les divorces là c'est des spectacles, la bagarre là c'est pas facile. Donc je pense que bientôt on va aussi commencer à couvrir les événements de divorce. Voilà, sur ce, les amis, le contact est en bas de l'écran pour ceux qui ont besoin de nos services. Nous couvrons les événements partout, partout, partout où besoin exige. Merci, à la prochaine, c'était votre humble serviteur, le général Franco. Je vous l'offre, voilà, sans vous, je ne suis rien. Merci encore. Grand frère Jackie, qui a plus de 30 à 35 ans à la diaspora et qui reconnaît les valeurs de ses petits frères qui sont restés au pays. Merci grand frère. Merci à tous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.